Salut les filles, aujourd'hui je viens avec une vidéo maquillage réalisée avec la Naked 1 entièrement car beaucoup de filles me demandent de faire des maquillages avec la Naked 1 donc du coup je m'exécute, on me demande également de faire des maquillages pour réveillon donc voilà un smoky marron comment dire un smoky marron mais fluide, pas trop chargé justement. Pour si on va dans la belle famille, voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça juste sublime. Un maquillage génial, top pour les yeux marrons, les yeux verts. Après, les bleus, je ne sais pas quoi. D'après moi, c'est top pour les yeux marrons et les yeux verts. Donc voilà. J'espère que ce maquillage vous intéresse. Puis si ça vous intéresse, continuez à suivre. On met une base pour que le maquillage tienne le plus longtemps possible. Je mets une deuxième base pour m'aider à éclaircir, donc en dessous de l'arcade sourcilière et dans le coin interne pour faire une petite coin lumière. Je commence par mettre le smog sur toute la paupière mobile. Avec le même pinceau, en fait, je vais prendre de l'autre côté et mettre le Dark Horse pour foncer le coin externe de l'œil. Je reviens toujours par là où j'ai mis mon premier coup de pinceau pour l'étendre vers l'intérieur, comme vous pouvez le voir là. Avec un pinceau estompeur, je vais prendre une première couleur mate, claire, la Naked à l'occurrence, pour creuser la banane en premier lieu. Après, je prends le un peu plus foncé, le buck, et je l'accentue sur le coin externe, mais au-dessus, comme vous pouvez voir. Je ne reprends pas forcément de la matière, de la couleur, juste j'estompe, je fais le travail de l'estompage en dessous, au-dessus, pour que ça fasse plus fluide. J'ai failli oublier la touche lumière en dessous du sourcil, donc je le fais et après je vais re-estomper un petit coup avec... refaire un petit peu un travail d'estompage parce que j'avais complètement zappé. Avec le crip et un petit pinceau crayon, je vais accentuer le foncé au-dessus. Là, comme vous pouvez le voir, parce que je trouve que c'est pas assez foncé à mon goût, mais c'est parce que j'ai l'habitude d'avoir les yeux très chargés. Donc ce n'est pas obligatoire pour vous, évidemment, toutes les étapes ne sont pas toutes obligatoires. Hein. Vous vous arrêtez où vous voulez, mais moi ça, pour moi c'est primordial d'avoir le coin foncé. Ben là, en regardant, je trouvais que la banane n'était pas assez remontée. Donc du coup, encore une fois, sans mettre de matière là pour pas y aller trop fort, je remonte petit à petit vers le haut. Voilà. Sans remettre de matière, je réestompe un petit coup. Je mets donc le crayon noir sur les externes. En haut et en bas, et après je vais en mettre dans la muqueuse. Avec un pinceau fin de précision, je vais flouter le trait, ça va l'élargir un petit peu et l'adoucir également. Et par-dessus, je vais mettre de la poudre, là je vais mettre du crip parce que je me sers uniquement de la Naked 1. Après, c'est au choix également, on peut faire un petit coup de smog, ça va vraiment adoucir le smoky, quoi, pas le smoky, pardon, ça va vraiment adoucir ce trait noir. Le mascara, la dernière petite touche, et voilà ce que ça donne.
j'ai rajouté Angel sur mes lèvres, un nude que j'adore évidemment. Donc voilà, voilà le look final. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi, puis je vous dis à bientôt. Salut les filles!